Il faut développer ici le carré de x plus 5 et on reconnaît très bien ici la première identité remarquable. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise, eh bien il est peut-être possible de la réécrire au brouillon, qui est le carré d'une somme, le carré de a plus b. Et là, il n'y a malheureusement pas de mystère, il va falloir les connaître par cœur à force de les utiliser. Le carré de a plus b qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Si j'identifie un peu la formule que j'ai à développer ici, le carré de x plus 5, on voit que a va jouer le rôle de x et 5 va jouer le rôle de b. Et donc, en transposant, a au carré va me donner x au carré plus. La petite difficulté des fois que vous rencontrez, c'est que lorsqu'on écrit 2ab, il faut bien avoir conscience qu'il y a des multiplications entre le 2, le fois, entre le 2, le a et le b. Et du coup, lorsque je vais remplacer, on va écrire 2 fois. Et là, il faut bien marquer les fois, sinon ça n'aurait pas de sens. Fois x fois 5 plus 5 au carré. Et si on réécrit un tout petit peu de façon plus simple, 2 fois x fois 5, cela va faire 10x. Et le carré de 5, 25.